Je veux dire, même en tant que député de la circonscription de Tchop. Donc, nous avons des fermes qui sont pas fonctionnelles. Nous avons des agriculteurs qui l'a toujours largué pour contrôle. Nous avons des directions départementales du Sud-Est, on a agriculteurs qui l'ont obtenu. Ensemble, les directeurs départementales, nous allons passer dans le contrôle. Effectivement, le ministère a établi des balises, des critères à côté de lui, mais qui nous met pour tout le monde qui pour directeur départemental. Mais sauf que, donc, à force que je veux dire, les techniciens n'ont pas respecté les têtes, mais pour quitter la politique entraîneur, aller de l'autre côté. C'est ça que nous-mêmes nous disons qui n'est pas intéressant du tout. Donc, nous-mêmes, là, nous avons cherché bien comprendre que, est-ce qu'effectivement, nous qui sommes partis dans le concours, est-ce que c'est nous-mêmes qui sélectionnons suivant le résultat concours et qui était fait entre le ministère de l'Agriculture et l'ONRH, sans que, donc on va attendre que ce soit même parlementaire, que ce soit député ou sénateur qui influence. Nous avons 153 565 petits secteurs populaires qui sont dans le pays Chili. 40% d'entre eux sont étudiants diplômés qui pourraient être diplômés dans Malep pour aller chercher, pour aller travailler dans le champ banane, dans le champ tomate, dans le champ maïs, pour mettre manger dans l'assiette peuple chilien. C'est plus grave dans le dossier ça. Chaque jour, il y a des avions vides qui sont Chili, viennent protéger les haïtiens, étudiants, sans visa, sans contrat de travail. Côté étudiants, ça y est, jeunes haïtiens, ça y est, dépensez chaque 3 000 dollars américains. Vous dépensez pour chaque 3 000 dollars américains. Si nous avons changé 3 000 dollars en good, il est égal à 32,248,650,000 good qui quittent le pays pendant l'année mouché la fonte dans tête primatia. Montant l'argent, ça représente une grosse perte de devises pour un pays pauvre de Haïti. Sous affaire gouvernance, non. N'a dit ministre, pas qu'à gagner bonne gouvernance sans transparence. Côté 50 millions, ça, passé. Le ministre a dit qu'il a ramassé 72 millions de gouttes dans chaque zombie. C'est le CNRH qui connaît qui ça fait avec l'argent ça et combien de monde qui a touché cette zombie ça qui a arrêté. Nous ne connaissons pas comment faire 2700 lettres de nomination by syndicat enseignant ou pas que j'aime jouer une trace. Qui laisse le monde qui joue une lettre ça? Est-ce que c'est zombie qui continue à nommer? Le ministre dit que 35 000 agents qui sont dans le système éducatif, 27 000 là-dedans, c'est enseignant. Ça veut dire 8 000 c'est agents d'administration. Pendant ce temps, 70% du budget salaire ministère adjoint l'administration. C'est seulement 30% qui adjoint enseignant dans 10 départements pays. Qui ça le fait pendant 12 mois pour corriger des livres ça? Corruption. Nous, maintenant, c'est un message qui dit que la lutte contre la corruption suppose mener kit scolaire et uniforme au passé. Aucune école publique ne recevoir un matériel de salaire à l'essentiel. Lors du Sénat, le ministre a parlé, CNRH a demandé qui côté le plan a sorti. Qui laisse le système dans l'été consulté avant d'élaborer le plan ça? Qui différence qui gagne un plan ça et ce qui là déjà? GTEF, plan opérationnel, plan national d'éducation, formation, DSNCRP. Qui différence qui gagne? Pour toutes les raisons, nous-mêmes dans CNR, nous disons que le ministre n'a pas maîtrisé le dossier éducation pays. Les affaires de dialogue social que l'État haïtien a signé depuis Incheon, il n'a pas respecté le même. Trafic d'influence a fait la loi en deux ministères. Pas de aucun plan clair sur qui qualité l'école il voulait pour le pays. C'est peut-être ça, c'est un autre temps, mais on s'est rencontré dans tout le pays. Pour demander aux enseignants de mobiliser, pour ne pas perdre à qui que le syndicat enseignant fait bataille pour gagner depuis 3 décennies. Éducation, c'est un outil pour bâtir Haïti.
Activité ça, c'est une initiative de l'association des anciens de la faculté de médecine de l'Université Notre-Dame d'Haïti, nous-mêmes qui fait premier genre d'activité ça. Nous c'est une routine dans le monde médical là, pour nous essayer toujours chercher faire des points chauds pour que tout le monde vienne baisser ça. Ma message ma gabaye c'est que faut nous pas décourager nous-mêmes médecins qui comptent entreprendre genre d'activité ça. Toujours continuer à demander mon baissant. Pas seulement médecins, j'en ai fait aujourd'hui, mais population en général. Et m'a voulu un coup de chapeau m'a pour la Croix-Rouge qui a accepté de venir aujourd'hui, qui toujours répond à gens d'initiative ça. Et pour nous dire que problème baissant, des fois, c'est un problème d'éducation de population. Il faut nous connaître que ça, c'est pas jeune, c'est même qui peut bailler pour nous joindre. Ça veut dire que faut nous toujours bien en tête que faut nous baissant pour nous joindre ça. Et si tout le monde a changé ça, quel que soit titre, quel que soit poste, il a besoin de 100 ans, il y a un monde qui a besoin de 100 ans, il faut que le monde qui baille pour lui joindre. Toujours baille ça, n'a pas sauvé la vie, monde, n'a pas sauvé la vie, paquet de monde. Moi, je suis habitué à baille ça déjà. Donc, moi, c'est une obligation pour moi baille ça parce que moi, c'est un résident en pédiatrie dans l'hôpital général. Au moins, chaque jour, moi, je fais une réquisition de ça. Donc, je trouve que c'est un geste utile que moi fais aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est important pour moi de baille ça. Tout parce que je connais que chaque jour, il y a des gens qui ont besoin de ça. Good Big Day, c'est une activité qui prend naissance en 2007 par une femme entrepreneur qui s'appelle Shari Harrison. Mouvement sa ville mondiale en 2011. Côté que, plus grosse activité qui était faite là, c'était 2 avril 2007. Côté que, 2500 volontaires tenaient tes têtes ensemble pour faire une action qui est positive dans la communauté qui a vivre là. Année ça, organisateur focus sur la région Caraïbes là. Côté que Haïti, sous leadership, j'aime ce dire là, Rodney Haïti a activé. Bay jeune ça qui a coordonné l'activité ici là pour yo faire, pour yo mobiliser enfin 600 jeunes femmes avec jeunes garçons, journée qui a 15 avril là. Je voulais de bonnes actions ça, qui relè Good Deeds Day en anglais. Il a fait en Haïti grâce avec leadership activé et donc activé c'est organisation qui fondée depuis 2011 qui travaille pour une meilleure implication sociale et professionnelle des jeunes particulièrement étudiants pendant que nous impliquons nous ensemble les activités de développement communautaire nous avons des formations complémentaires qui permettent de plus compétitif sur le marché de travail là et pendant tout nous avons des possibilités pour faire des stages professionnels et World Merit Haïti c'est une organisation tout qui travaille n'a fait promotion pour objectif développement durable en Haïti, n'a fait implication jeunes dans le développement communautaire, et puis n'a fait promotion plaidoirie pour politique jeunesse dans le pays, pendant qu'il y a honoré tout des jeunes leaders qui sont capables d'inspirer les jeunes n'a fait ça qui est bon. Donc, n'a précisé que l'activité ça a fait à Nessa, dans les Caraïbes, avec collaboration de 5 pays, mais c'est sous coordination de une organisation dans les Caraïbes qui est le CVX, qui est Caribbean Volunteer Exchange. Et pays ça, vous connaissez que l'activité a fait là, il y a Jamaïque avec l'organisation qui est le Youth Inspiring Positive Change, notre ville l'a fait avec VCTT qui est Volunteer Center for Trinidad and Tobago et CARICOM Ambassadors, dans Suriname l'a fait avec Suricor for Development, dans cette liste l'a fait avec Volunteer Saint Lucia et en Haïti, j'en ai précisé, l'a fait avec Activé et World Merit Haïti. Donc, il y a tout ensemble de l'autre organisation. Et nous, réseau dans Caraïbes qui contribue dans l'organisation activité pour la région Caraïbes sur même thème sur même thème qui s'est planté pour la paix donc gagner volontaire des Nations Unies dans Caraïbes là gagner Commonwealth Youth Ambassadors for Peace et puis gagner tout Commonwealth Youth Support for Development and Peace Network. Nous avons 5 grandes activités que nous comptons réaliser et que nous avons réalisé le 15 avril. La première activité que nous avons réalisée, c'est l'éco-jogging. L'éco-jogging, c'est une activité côté mon a couru, sur ce marathon, côté mon a couru, il a ramassé des déchets plastiques avec des déchets organiques dans la rue. Mon qui a coordonné l'activité, c'est Frenzy et Zorzin qui a coordonné l'activité. Comment l'activité ça fait? L'activité ça sorti sous place Boye. La passé avenue panaméricaine, la descendre avenue John Boyen et puis la passer dans la rue Lamar, la tombe sous place au titre gentil. Nous avons un parcours de 8 km. Donc, j'ai un garçon avec jeune femme qui a couru pendant la fête sport et qui a ramassé Fatan dans la rue. Nous avons un total de 200 jeunes qui ont mobilisé pour l'éco-jogging qui a fait en Haïti jusqu'à 15 avril.
pas oublier, on a déplacé à 8h du matin sous place Voyer pour descendre sous place Otigenti, Michel Nas. Deuxième activité que nous avons dirigée par Rosemary Lafontaine, quand nous avons fait une simulation de mise en terre de plantules, pépinières bien sûr, pour un total de 100 plantules, nous avons gagné jeune Timoulou ensemble avec nous, pour nous mettre les plantules à la terre. Nous avons une activité, nous avons fini encore, c'est la troisième activité. Nous avons gagné ces chimiques qui ont donné l'activité ça, qui s'allient n'a pas seulement offert une cette expérience de la lumière de demi-nuit. Dans la voix, quand nous pouvons jouer à Timonio, nous pouvons parler à Timonio sur l'environnement, sur bien faire l'environnement sain, sur la santé. Nous avons une autre activité encore, nous avons deux autres activités, quand nous avons passé place à Andréa Saint-Ézélis, qui est lui-même et encadreur et coordonnateur de notre activité ça, pour parler avec nous dans la Cité Soleil. Non seulement nous et ouvert porte nous pour volontaires qui déjà n'ont activé, c'est-à-dire membres activés, et aussi nous ouvert porte nous à membres Wolberit. Mais pour ça tout, nous attendons les potes jeunes de 35 ans qui intéressés dans le volontariat, qui intéressés dans la cause et action communautaire, qui viennent avec nous, participer avec nous. Pour faire ça, nous avons un formulaire qui est disponible sur page activée, qui est disponible tout sur page Wolberry, qui est également disponible sur page Good Disney. Et pour monter sur Facebook, ou juste taper activé ou bien Wolberry, ou bien Good Disney, ou bien un formulaire qui est là pour vous, qui pose des questions, qui peut prendre des données. Et puis donc, là, on finit rempli li, et puis après, on a suivi que on a fait avec email que vous voyez, on a fait suivi pour capable et dire où mes côtés que on a réuni, mais comment on a fait et puis suivi que on a capable faire avec ça. Donc c'est ça que me voulais mettre mise au point sous lui. Donc me dis nous merci en pile, nous tout responsable la presse, que la presse qui était là avec nous, la presse écrit et parler. Donc me dis nous déjà merci beaucoup et puis bonne participation avec nous dans belle activité ça qu'a fait le 15 avril. Merci. Au niveau de l'OGEP, pour nous mettre annoncé par pouvoir, il y a deux objectifs. D'abord, créer la diversion. Ensuite, acheter du temps. Détournez attention sur ensemble problème fondamental que le pays a confronté aujourd'hui, que le pouvoir n'a pas qu'à adresser en début de promesses de campagne. Problème gros goût, problème la vie chère, problème chômage, problème insécurité. D'ailleurs, c'est historique dans le pays d'Haïti, c'est pour la première fois dans l'histoire nous. Pendant qu'on pouvoir à peine installer, et puis c'est même moment, où nous connaissons, l'on pouvoir monter, normalement, il doit créer l'espoir. Mais cependant, si jeune ça, jeune femme, jeune garçon, on peut avec un diplôme mené, à courir quitter le pays, c'est parce que le pays, le gouvernement, justement, pas même arrivé à créer ça pipiti que nous avons l'espoir. Et c'est pour ça que ça nous-mêmes nous dit, position par nous, en dehors Haïti, c'est que les États généraux sectoriels n'ont pas porté aucune solution fondamentale dans le problème du pays, puisque selon nous-mêmes, c'est mettre en pansement son malin. Pour un pays qui fait qu'on est que pour gagner un remaniement ministériel. Mais je dis à nous-mêmes, dans l'ODEP, nous avons posé des tas de questions. Est-ce que ça qu'on est arrivé que un poisson commence à pourrir dans la queue? Est-ce que ça qu'on est arrivé dès que un monde a un cancer et que c'est alcool, c'est pansement qu'on mettait sous lui? ODEP Haïti dit que le gouvernement Dr. Jacques Guy Lafontaine a un an depuis qu'il existait. Il a un an depuis qu'il était chaque ministre en feuille de route. Donc je dis, nous croyons que c'est un monde qui s'acte dans la feuille de route. Je dis à l'éclair au niveau de l'éducation que nous tous là, que nous connaissons que grève professeur, grève élève. École qui pas gain professeur, grève professeur qui pas touché, fermé. Donc je dis à faut demander pour voir ça au niveau éducationnel qui ça que le fait. You acheter belle caille, mais you et prend belle femme, mais you dépenser l'argent à monter descendre pour avoir aller à l'étranger, you rend you confortable économiquement. Et cependant, il y a pile monde dans la population qui a vivre dans la mal cité, il y a pile projet de développement qui te doit être fait qui pas jamais fait. Pays continuer dans
mauvaise vie pays a continué la misère qu'elle était trouvée depuis déjà 200 ans. ODEP Haïti, non seulement pour en route la justice, mais ODEP Haïti, bon, on dit manque ODEP Haïti en fait, mais n'a continué à encourager toute mobilisation qui a fait partout dans le pays pour Mounsa. Phase de réhabilitation et base pompier aéroport là. Et forme de base pompier aéroport là, nous avons commencé depuis 1980 avec un pompier civil dans l'aéroport là. Mais le premier embryon qui a commencé depuis 1976, c'était avec pompiers de ville, avec les pompiers de ville. Pompiers de ville, ils étaient convenus dans l'aéroport là. Et avec une machine, et puis avec un camion, et puis pour faire sécurité sur l'aéroport. Là. Et nous avons attendu 4 ans après pour nous devenir arrivés en 1980, sous exigence de l'ACI FAI, qui était demandé, responsable de l'aéroport, dès lors, pour nous devenir un pompier civil sur l'aéroport. Là. Et au commencement, c'était espace ça seulement nous avons gagné. Espace ça, on a gardé là, c'est le même seulement nous avons gagné. Les pompiers aéroports là, c'est formé. Mais avec le directeur Méhi, lui-même, qui vient comprendre que l'espace ça était trop petit pour nous, c'est ainsi que il vient commencer avec. J'étais venu commencer avec le travail de réhabilitation. Le travail de réhabilitation, nous sommes capables de dire qu'on y a là, nous venons d'un ancien espace là, qui était premièrement un secrétariat. Là, dans le secrétariat, c'était l'acte pour loger le responsable pompier. Et tout responsable pompier qui passait. Directement, il était venu que ça n'est pas capable de faire comme ça. L'espace qui est logé, premièrement, responsable pompier et puis secrétariat, je viens à un secrétariat. Et puis au fond, nous venons gagner un autre espace que nous réaménager pour bureau responsable pompier à la personne de moi-même, votre serviteur. Après ça, nous gagnons une salle pour chef de brigade. Et puis avec tout instructeur, nous venons gagner un gym, nous gagnons un espace qui est aménagé pour mécaniciens. Côté que nous gagnons non seulement deux mécaniciens, et puis nous gagnons deux entre nous gagnons un shop et puis nous gagnons un entrepôt. Après ça, nous gagnons un hangar là, nous gagnons un hangar pour garage pour mécaniciens, et puis nous gagnons deux toiles. Et pour le matériel incendie, combien nous avons là? Le matériel incendie, 1300.